cool, et bonne 73 à toi. Ah là j'arrive, là je suis en train de monter le pont d'Aquitaine. Attends, voilà, je t'ai vaguement entendu, je n'étais pas sûr. Ouais, ben si ça passe bien, c'est peut-être un petit peu normal. Disons que je suis pas avec le même matériel que d'habitude. Voilà, pour t'expliquer, je suis avec une station là, qu'on m'a donnée, une station complète pour faire des expéditions, tout ça. Et ben, y a un petit peu de matériel quand même là. Tout est mis dans une boîte, tout est prévu là pour faire des expéditions et tout, là c'est nickel. Ah, c'est vrai, ça marche bien, c'est impeccable, voilà, donc là aussi c'est sur la colline, là ça passe bien, c'est un peu matériel, bon. Ah, ben si ça passe bien, oui, là je pense, oui. Oui, effectivement, tu me dirais le contraire, là je te croirais pas. Ah, toi aussi, t'as la chaudière d'allumer. Voilà, j'ai allumé la chaudière, voilà. Voilà, donc c'est pas écrasé, c'est bon. Non, ça va. Par contre, la modulation pourrait être un petit peu plus forte, mais bon, ça va quand même. J'ai monté le volume. D'accord, ok. Ben ouais, tu serais étonné là combien je balance là en AM. Est-ce bien raisonnable? Hachi trois coups. Ah ok, ça coûte ça quand même. Disons que faut pas que je module le moteur coupé, quoi. Allez. Ah putain, j'en ai un qui moustache là, qui module pas loin de moi. Oh là je dois tout lui couper là en plus. Ah putain, là il doit plus rien comprendre là, le mec. Ok, surtout que ce soir, eh bien, je déménage, je vais sur un autre site. Alors là, je suis parti pour 5 nuits. Là. Et je m'en vais là bosser sur le département 24. Ok, les bonnes 73 à toi, et t'enverras les bonnes 73 aussi à JFK, et à la prochaine, bonne journée.
bah tu le fais en voiture Neuvik là jusqu'au grand péage. Je sais plus, je crois que c'est 7,10€ ou 7,60€, un truc comme ça. Et puis de l'autre côté, quand tu t'en vas sur Brive, quand je vais voir ma fille à Compiègne, eh ben putain, c'est pareil, hein, t'as le seul péage, je sais plus où là, Terrasson ou je sais plus où là, eh ben c'est 7,60€ ou 7,80€. Ben putain, je trouve que ça fait cher aussi pour aller à Brive. Hein. Ah, il est cher là-bas, hein. Moi je sais quand on descendait en camion, on s'oblige de la prendre, il est cher. Vous avez une petite purée là. Ouais, mais ça va, y a personne devant. Mais oh, je passe plus par, quand je remonte comme ça, je prends plus par Limoges. La route elle est trop chiante. Hein. Moi j'ai un peu de brouillard derrière, quoi. J'ai le côté qui est en bas. Ouais, quand je remonte, avant on faisait Périgueux, Limoges, Châteauroux, tout ça. Ouais, on se fait plus chier. Là maintenant on reste sur l'autoroute et on fait Brive-Limoges. Et tu gagnes largement ton temps. Hein. Je ne sais plus, on part de la maison là, pour aller sur, quand on arrive sur la déviation à la sortie pour prendre Périgueux par le national. Maintenant avec le contournement, ça, la nouvelle rocade et tout là. Bon, c'est vrai que par le national c'est bien. Mais l'autoroute là, allez, tu mets quoi, 1h15, 1h20 pour aller à Limoges, c'est bien, c'est pas chier. Super, tu vois, t'as moins de risques de faire voler au radar. Yeah.
attention, moi. Ah, vous avez quelque chose de bon signe avec le droit qui est décalé. L'essieu droit, attends, je crois que c'est le dernier essieu où j'étais avec Michel au Ganet là pendant une semaine avec Benoît et Michel là pendant les vacances. Et un coup Michel et puis on était à Saint-Croix en train de charger et tout. Et puis c'est quoi les rondelles quoi ça là. J'avais perdu tous les boulons, les écrous et tout du jambage. Et quand je prenais le dernier essieu, j'ai touché les feux intermédiaires.